Bruno Marshall, mental, mental Coach à Montpellier. C'est-à-dire que je suis votre coach par par YouTube, euh, et, évidemment, mais par pour les coachings, c'est du WhatsApp. C'est de l'audio, c'est du téléphone. Et ensuite, c'est dans la formule efficacité, en tout cas, 15 jours de suivi où je vous réponds mes WhatsApp euh, directement, euh, vos WhatsApp. Et pendant deux semaines, je vous suis et euh, on a plusieurs interactions euh, autant que vous voulez. C'est pour ça que ça fait la différence. Aujourd'hui, cette vidéo est de la bombe. Voilà. Je vous préviens, c'est un effet teaser, cette vidéo est de la bombe. Partagez-la parce qu'elle va changer la vie de beaucoup de, de personnes qui vous allez comprendre pourquoi vos relations parfois sont bancales euh, et pourquoi vous allez grâce à ça comprendre quel est le bon comportement pour récupérer des relations qui sont mal engagées. Dans une relation, il faut être deux. Et quand on va sur une relation de longue durée, par exemple, un mariage, par exemple, pas, pas quand on est ensemble depuis, depuis 15 jours évidemment, hein, mais quand on est ensemble depuis longtemps, les deux parties sont attachées l'une à l'autre. Hein, C'est le principe d'attachement. Alors on va faire une métaphore. C'est qu'il y a un élastique et quand on a une, une une relation de longue durée, on va être attaché par l'élastique à, à l'autre. Alors vous allez imaginer maintenant que euh, cet, euh, cet élastique, ce point d'ancrage élastique, il n'est euh, pas fixe. C'est-à-dire que vous allez marcher, vous allez courir, vous allez tomber, vous allez nager, vous allez sauter. Chaque fois que vous allez bouger, vous allez faire bouger l'autre. Alors, pas de façon totale, parce que ce n'est pas une corde, mais c'est un élastique. Donc, si ça se tend trop, ben, la relation se tend. Et si vous êtes trop proche, vous pouvez faire des nœuds. D'accord Donc, ça c'est important. Quand vous rentrez, en, quand il y a quelqu'un qui est en crise existentielle, qui passe un mauvais moment de sa vie, une période liée à un changement de vie, où on se pose des questions, celui dans le couple qui dure depuis longtemps, qui n'est pas en crise, va devenir le rock. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le point d'ancrage que vous êtes sur l'autre ne doit pas bouger. Vous devez être très stable dans votre environnement pour respecter la constante. Vous avez des vidéos là-dessus environnement, corps et temps. Celui qui n'est pas en crise, s'il n'est pas en roc, c'est-à-dire que s'il va commettre des interdits, se plaindre à l'autre, faire des reproches, bouger, partir, revenir, vous voyez, faire, faire ces conneries, quand vous a... ces bêtises quand vous apprend sur d'autres sites de, de, de vous éloigner, de, de couper les ponts, de prendre du recul, de. comment on appelle ça je cherche, je cherche mes mots, de, de faire des. alors c'est pas le silence radio, c'est l'autre, c'est de faire un break, voilà. Donc ça, ça marche évidemment pas parce que, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que vous coupez l'élastique ou que l'autre bouge, n'est plus en rock et bouge. Et et donc, forcément, l'autre. C'est chaud, il se geste, Il part dans tous les sens, parce que quand un astic pète, euh, la personne qui est en crise, alors là, elle explose, elle part dans tous les sens. Et qu'est-ce qu'elle va essayer de faire Elle va se raccrocher à un autre euh, point d'ancrage. Et c'est là le problème de la relation pansement. C'est comme je suis perdu, je vais me mettre en autre pansement. Mais vous voyez, un pansement, ce n'est pas très fiable. Si je m'accroche à un pansement, ce n'est pas très solide. Donc au bout d'un moment, pouf, bah, le lien, il va, il, il va se péter. Et donc, on va revenir, euh, on va être encore perdu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça cette métaphore C'est très important, cette vidéo. C'est que celui qui, est, qui, 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 est, qui a la chance de ne pas être en crise, parce que ça fait souffrir la crise à des moments terribles, doit rester le rock, doit pas bouger d'un iota. Et la personne va accrocher à ce roc, va partir, mais plus elle va tendre l'élastique, plus elle va revenir. Et puis, au fur et à mesure, à force de se prendre des, 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 des gadins et de voir que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, les remous d'élastique vont devenir, les rebonds vont devenir de moins en moins grands. Je vais partir loin, je vais revenir. Je vais partir un peu moins loin, je vais revenir. Je vais partir un peu moins loin, je vais revenir. Parce que la personne qui n'est pas en crise aura eu le bon goût à regarder cette vidéo et ne bougera pas. Si vous bougez, si vous écoutez euh, des mauvais conseils, euh, laisse-le tomber, laisse-la tomber, mets-le face à ses responsabilités, euh, prends ton recul, euh, va jusqu'au bout du divorce, euh, et, euh, et ensuite euh, vous verrez si vous reviendrez ou pas. Je, je, des fois j'entends des trucs, hein, mes clients me disent, je suis suivis le, le, les conseils d'un de vos concurrents ou d'un psy euh, qui m'a dit qu'il euh, fallait aller au bout du divorce et que qu'ensuite vous verrez si vous revenez ensemble, la vie fera. Au secours <laughs> No comment Au secours Donc vous restez sur le roc et la personne va, 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 va rester accrochée à vous, va partir de temps en temps parce qu'elle aura besoin. Hein, c'est la chèvre de Monsieur Seguin. Elle va aller voir euh, le loup, mais si vous coupez la corde, elle va se faire bouffer par le loup. Donc restez, restez tranquille. Alors c'est très dur. Hein, euh, si vous, vous considérez votre, votre conjoint ou votre conjointe comme un objet, c'est très dur de le voir qu'elle va aller fricoter avec un autre loup. Mais si vous êtes un sujet, vous dites, ça fait partie de la vie. Je connais les règles parce que je suis les vidéos de, de, de Bruno et je sais que bah oui ça va partir de la vie mais moi je reste en rock et peut-être qu'un jour ma femme ou mon mari sera le rock et moi je vais partir un peu en live et que si elle coupe si elle fait des erreurs si elle bouge trop euh, ça va pas fonctionner vous êtes que sur un bateau vous voyez où il y a la tempête s'il y en a un qui saute le bateau va faire il risque de se renverser j'ai vraiment fait ces gestes aujourd'hui et si au contraire euh, on reste ancré, on reste au fond de la cale, etc. Et bien que la tempête est terminée, on est toujours en place. Donc très important, le roc, hein, c'est parce que dans une relation, vous êtes toujours ancré à terme à une personne. Quand vous êtes ensemble depuis longtemps, c'est ça l'attachement. On, euh, on appelle ça l'attachement. On est attaché à quelqu'un. Et si cet attachement bouge, on est mort. Quand on va chercher ailleurs. Ok Donc vous m'oubliez tous ces interdits que vous faites de pleurer, de menacer, de poser des ultimatums, de prendre du recul, de ne pas répondre, de faire des silences radio, etc. Si vous voulez euh, améliorer la relation, si vous voulez que la relation se soit séparée, ce moment vous m'appelez, je vous explique comment vous séparer élégamment et obtenir le, le plus d'avantages possible. Ça, c'est très facile à faire. Hein, en coaching, c'est réglé. Si vous voulez récupérer la, votre, votre relation passer de la relation de sujet, enfin d'objet à objet, à sujet à sujet, on le, on le voit pendant le coaching, je vous donne toutes les méthodes de, de, de A à Z, je vous donne tous les conseils qui vous sont euh, propres, hein, c'est-à-dire qui, qui sont asso associés à votre, à votre relation, et ensuite vous avez aussi pendant les formations, notamment celle de masculinité et celle du euh, être, être un rock, être un masculin, hein, les est bien cette formation, euh, vous, pouvez la, vous pouvez la voir, vous l'avez un lien dessous, et vous avez celle des êtres adultes aussi. Hein. Les deux, vous voyez, masculin et rock, c'est être adulte. Alors, je ne dis pas du tout les mêmes choses dans les deux, dans les deux formations, mais elles sont, elles sont concrètes. Et dans celle que je prépare, là, qui va sortir dans les jours qui viennent, sur les désirs, ça va être encore un complément aussi, pour être ce rock-là. Ok Vous êtes le rock, vous, écoutez, vous arrêtez de m'écouter des bêtises à droite et à gauche, vous arrêtez de demander conseil à des gens non spécialisés, dans votre famille, etc., parce que ça vous pompe l'air. Et vous avez besoin d'une énergie. Le rock, il a besoin d'une énergie pour être stable bouge pas et donc si vous, euh, vous vous prenez des conseils autour de vous qui vous font bouger ça va vous déstabiliser ça va vous fatiguer ça va vous affaiblir donc euh, travaillez sur vous hein, en coaching donne du travail sur vous pour que vous soyez ce roc là je ne vois pas d'autre solution pour que ça fonctionne. Une relation qui fonctionne ne peut être à long terme qu'une relation de sujet à sujet, pas d'objet à sujet, ou d'objet à objet. Donc toutes les, tous les conseils de ne pas se laisser faire, de ne pas être trop acquis, etc., c'est des trucs d'objet. Stop, 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 stop. Ok Allez, euh, mettez-moi vos commentaires euh, dessous. dites comment euh, vous pouvez faire, dites-moi un, une chose que vous allez faire pour devenir en rock, et peut-être même, ou, ou, et où une chose que vous allez que vous avez fait, euh, qui, où vous n'étiez pas en rock et qui a perturbé la, 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 la relation. Donc marquez-moi ça, parce que c'est important pour votre communauté, pour notre communauté, de donner des exemples. Là, j'ai fait ça et je n'étais pas du tout en rock. Très bien, ça va aider tout le monde à ne pas le faire. Ensuite, vous mettez un pouce en l'air s'il vous plaît pour que cette vidéo soit référencée par YouTube et puisse la proposer à des personnes qui en ont besoin. C'est votre côté généreux. Et euh, du coup, euh, les personnes vont peut-être revenir dans cette communauté et vous aider. Donc là, vous allez aider une personne inconnue en mettant un pouce en l'air. Donc soyez généreux. On est une chaîne humaine, hein, on est tous ensemble. Donc euh, faites en sorte qu'on que, qu soit encore plus nombreux et qu'on que, qu puisse s'entraider. Euh, plus on est, mieux c'est euh, de sujets et pas d'objets. <laughs> Abonnez-vous à cette chaîne parce que quand vous abonnez à cette chaîne vous avez des posts qui sont tous les jours et les moments que l'on attend, nous, la communauté, parce que ça nous fait rire, Bruno Marshall, il vous dit à très bientôt.